On la surnomme l'Everest des mers, car c'est la course maritime la plus extrême de tous les temps. Un tour du monde en voile, en solitaire, sans assistance et sans escale. Even for someone who doesn't sail, the person can imagine how difficult it is to sail solo non-stop without assistance around the world. Aujourd'hui, on part à la rencontre des 40 skippers prêts à relever le défi du vent des globes. Pour cette 10e édition, ces navigateurs hors du commun vont braver les océans, affronter les conditions extrêmes et franchir les caps les plus dangereux de la planète. Une aventure au bout du monde et surtout au bout d'eux-mêmes. Parce que tous les concurrents ont ce côté un petit peu presque fou hein, de vouloir pousser des bateaux comme ça dans des endroits un peu dangereux comme les mers du Sud. Sinon, on ferait de la croisière en famille, quoi. Le 10 novembre 2024, à 13h02, ils s'élanceront depuis les Sables d'Olonne en Vendée. C'est une course mythique parce que c'est la course la plus longue qui existe, qu'il arrive tellement d'aventures et de péripéties aux marins qui y participent et ce qui a créé la légende de cette course. Le départ approche. Est-ce que tu connaissais cette course ? Dis-le nous en commentaire.